Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. C'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais j'avais vraiment envie de le faire parce que, comme vous le savez sûrement, très très bientôt, ça va être les élections américaines. En fait, c'est les élections américaines en ce moment et les Américains vont devoir voter dans très peu de temps. On a entendu beaucoup parler d'un des candidats cette année. Dans le fond, M. Trump, c'est ce très gentil monsieur qui veut se présenter, ben, en fait, qui se présente aux élections américaines. Donc, j'avais envie de répondre à quelques-uns de ses meilleures répliques, soit sur Twitter ou dans une entrevue ou etc. C'est pas très important. J'ai trouvé un site où que on peut voir quelques-uns de ses tweets qui sont traduits en français. Fait que je pense qu'on va commencer tout de suite. Donc, première réplique de Monsieur Trump, ce gentil monsieur. Robert Pattinson ne devrait pas reprendre Kristen Stewart. Elle l'a trompé comme une chienne et elle le fera encore. Vous allez voir, il peut trouver bien mieux. Eh bien, Monsieur Trump, merci de vous préoccuper autant des Américains. C'est vrai que tweeter ça, c'était tellement important, là. Je sais pas ce qu'on ferait sans ce merveilleux tweet. Ok! Prochain! Bon, bon, bon. Ok! Je ne sais pas c'est qui cette gentille madame. Je vais essayer de trouver une image et vous la mettre dans l'écran. Ariana Huffington est laide, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je comprends tout à fait que son ex-mari l'ait quittée pour un homme. Il a pris la bonne décision. Eh bien, tant mieux si vous êtes... d'accord avec ce que son ex-mari l'a quitté. C'est aussi important que l'autre tweet d'avant, hein? Mon compte Twitter est devenu tellement puissant que je peux forcer mes ennemis à dire la vérité. Ok, c'est bon. Ben, je pense que tout le monde va pouvoir dire la vérité maintenant à cause de votre compte Twitter. Ouh, yes, je suis tellement contente, là. Le Mexique envoie de la drogue et des violeurs aux États-Unis. C'est sûr que juste le Mexique qui font ça. Mais oui! Allez, le Mexique, envoyez des gens malhonnêtes aux États-Unis. Parce que, comme on le sait, il y a juste vous qui font ça. Je serai le meilleur président du travail que Dieu ait jamais créé. Ok. C'est vrai. Je suis tellement d'accord avec ça, là. Ok, on va passer à la prochaine. Donc, si Ivanka n'était pas ma fille, je sortirais peut-être avec elle. Miam. C'est vraiment le fun à savoir. Je suis contente de savoir ça maintenant. Dans le fond, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans ça. Miam. Merci. Donc... ce qu'écrivent les médias n'a aucune importance, tant que vous avez un beau cul. Ok. Ben, c'est vrai que avoir des belles fesses, ça rend quelqu'un incroyable. Je crois qu'on peut prendre un moment de silence pour cette phrase-là. Comment peut-elle satisfaire son pays si elle ne satisfait pas son mari, en parlant d'Hillary Clinton? Ok. Ok. L'apparence compte. Vous n'auriez pas ce job si vous n'étiez pas belle. Ok, c'est vrai que la beauté, ça va. C'est vraiment plus important que quelqu'un d'intelligent. Excellent. 10 sur 10 pour cette réplique, Monsieur Trump. C'est vrai que c'est tellement important, là. Je dirais que Poutine est un homme plus sympathique que moi. C'est vrai que vous êtes un homme super sympathique, là. C'est vrai. Puis, Poutine, il est comme au top, là, des gens sympathiques sur la planète. C'est vrai. Ok.
je donne beaucoup d'argent à des œuvres caritatives et ce genre de choses. Je crois que je suis quelqu'un de très gentil. Ben oui, c'est vrai que dans toutes les vidéos, on a vu que vous étiez quelqu'un de super gentil. J'aimerais ça vous rencontrer un jour pour qu'on en parle. Si Obama démissionnait maintenant, rendant ainsi un grand service à ce pays, je lui donnerais la vie l'un de mes terrains de golf. Yes! Je suis sûre qu'il y en a besoin. Le réchauffement climatique a été inventé par et pour les Chinois afin de rendre l'industrie américaine moins compétitive. Ok. Bon ben, je pense que ça va être tout. Je pense qu'on en a vu assez dans le fond, ouais. Je chercherai pas plus loin. Ouais, ben, pis tu sais, je voulais faire cette vidéo-là pas pour rire de lui, mais pour rire genre de ses réponses. Pis tu sais, c'est ça. Non, c'est... Tu sais, croyez en qui vous voulez, mais laissez-moi croire en qui je veux aussi. Et voilà. C'est ma petite séquence émotive de la journée. On entend marcher au-dessus de ma tête. On a vu que M. Trump avait vraiment juste des réponses intelligentes. Donc, pour finir, j'espère que vous avez aimé la vidéo puis que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne et à donner un thumbs up à la vidéo si vous avez aimé. Et puis, si vous aimez ça, des vidéos genre que je réagis à des trucs comme ça, ben vous me le ferez savoir, puis c'est sûr que je vais pouvoir en faire d'autres. Donc, merci d'avoir écouté, à la prochaine! Bye bye!